Yo, salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour... On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans pour le quatrième épisode de Enquête du Titan. Donc voilà, je suis à 3894. Et donc, voilà, j'ai perdu une défense sur 80... quoi? Ouais, voilà, j'ai perdu... une défense contre un HDV8. Le mec il m'a pris 31 trophées en 2 étoiles. Puis après ben j'ai voulu faire mon malin. J'ai attaqué un HDV10 avec 40 trophées. J'ai voulu lui faire le 50%. J'y suis pas arrivé. Tant pis. Il était trop fort pour moi. J'ai voulu faire mon malin. Ça m'apprendra. Et donc j'ai perdu 13 trophées. Et là j'ai accéléré mes casernes et tout pour rattraper. Il me reste. J'ai récupéré 16 trophées. Il me reste 28 trophées à rattraper. Et là, j'ai ma protection. Donc, ça ne diminuera plus. Normalement, je vais le rattraper à temps. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais bon, ça me met quand même les nerfs. J'ai fait le malin. Tant pis, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Je ne reproduirai plus cette erreur. Donc, voilà. Ici, c'est ma défense contre l'HDV8. Je vais mettre un petit coucou YouTube. Voilà, hop. Je vais me présenter à Prophète là. Donc, voilà, hop, 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 hop. Kevin Digital de Belgique, enchanté. Donc voilà, vous avez quand même pu voir ma défense. Enfin voilà, j'ai rien pu faire face à lui. Donc voilà, hier encore j'ai trouvé. J'étais vraiment content, je sais pas vous le montrer là, mais je sais plus si je vous l'ai montré dans l'autre vidéo. Mais hier j'ai trouvé un HDV8 à 39 trophées. Donc franchement j'étais vraiment content. Donc voilà. Ici voilà, je vais quand même vous montrer cette attaque-ci avant de vous faire une attaque en live. Je vais vous montrer cette attaque-ci, une attaque gagnante. Donc voilà. C'est celui, voilà, j'ai voulu faire mon malin. J'ai été trop vite et tout ça, pardon. J'étais trop vite et tout, donc. Voilà, je sais pas pourquoi il met ça, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai voulu aller trop vite déjà pour commencer. Et donc, c'est ce qui m'a fait en sorte que je faille mon attaque aussi. Et puis, parce que j'ai pas attendu que ça avance plus vite, j'ai voulu vraiment aller vite et tout. Mais bon, tant pis, j'ai voulu faire mon malin, ça m'apprendra. Donc voilà, ma défense, ben vraiment une défense pourrie quoi. Enfin, une défense pourrie, une attaque pourrie. Donc voilà, le mec, il était titan, il avait 40 trophées à prendre. Je voulais au moins lui faire une étoile pour lui prendre au moins 10-12 trophées pour essayer de rattraper. Et donc, voilà. C'est de ma faute, ça m'apprendra à vouloir faire le malin. On m'a pas mis le golem, je marre. Ce que quelqu'un a un golem maintenant. S'il vous plaît. Donc voilà, je demandais si quelqu'un avait un golem. Donc on va se retrouver pour une attaque que je viens de faire, voilà, sur un HDV10. Le mec, il est max HDV9. Donc il a comme nouveau bâtiment, je sais même pas s'il a déjà la tour d'archer peut-être. Oui sûrement, mais il a déjà les tours de l'enfer et tout ça, il avait 18 trophées. Et donc je lui ai fait 2 étoiles. Mon but c'était juste de lui faire une étoile pour attaquer le plus rapidement et tout ça, mais j'ai réussi à lui faire 2 étoiles, donc franchement j'étais content quand même. Donc voilà, ici j'ai mis mon sort de rage et tout pour rager mes petites Valkyries. Ici j'ai mis mon soin là, mais en fait j'aurais dû le mettre là, j'ai pas fait exprès. Et donc voilà, là j'avais gelé la tour de l'enfer, donc voilà. J'ai réussi à en détruire une, je sais plus si c'est celle de droite ou celle de gauche. Donc voilà.
Ah ben c'est celle de gauche avec mon roi. Voilà, franchement, j'étais vraiment content de cette attaque. Je vais vous montrer une autre attaque aussi que j'ai trouvée en HDV10 avec un village super bizarre. Et donc, je lui ai fait un 2 étoiles. Je pense que je lui ai fait 69%, je pense. Je pense que c'était ça, 69 ou 70. Donc, comme vous avez pu le voir ici, il ne lui restait plus beaucoup de vie à la tour de l'enfer pour être morte aussi. Et là aussi, à la tour anti-arène, là j'avais ma petite gargouille. Donc voilà, celui-là, je lui ai fait 62%. J'étais content quand même. C'est une attaque que je viens de faire ben, il y a 2-3 minutes, je pense. Plus ou moins. Donc voilà, ici mes troupes sont déjà prêtes. J'attends juste que quelqu'un me donne un golem. Si quelqu'un m'en donne pas, je m'en donnerai un vite fait avec mon petit compte. En attendant, je mets des troupes à former. Désolé, c'est pour après. Donc voilà, hop, on fait ça. Bon, hop. Donc voilà, maintenant je fais le séisme. Comme ça, en même temps, ça abîme les bâtiments ennemis. Donc ça leur enlève plus de vie. Enfin, ça leur enlève des vies, donc voilà. Je vais vous montrer une autre attaque maintenant. Elle est où? Oui, je pense que c'est celui-là. Eh bien oui, c'est celui-là. Regardez-moi ce village assez bizarre quand même. Le mec, j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça, mais bon, moi, au moins, ça m'a permis de faire le 50% au moins. J'ai fait 60, 69, je pense. Je sais même plus. Enfin, il était marqué, mais j'ai même pas fait attention. Et donc voilà. Ici, j'avais envoyé Pardon. Les sapeurs. Et donc voilà. Ici, déjà, ça m'a permis de faire une étoile à plus ou moins. Oh, je sais même plus. Ça m'a permis de faire une étoile à 40% déjà. Et donc, quand j'ai vu ça, hop, j'ai su que j'allais faire le 50% au moins. J'étais vraiment content. Donc voilà, j'ai gelé. Ici, une tour de l'enfer qui était multiple. Elles étaient toutes les deux multiples, mais. Et en même temps, j'ai posé le sort de soin. Comme ça, les autres Valkyries, à part les 5 qui se faisaient prendre par la tour de l'enfer, ont été soignées. Ici, j'ai détruit les deux tours de l'enfer, plus la réserve de noir. Ça m'a quand même fait un joli petit butin, plus le butin de ligue. Donc honnêtement, j'étais quand même content de ça. Donc voilà, ouais, voilà, j'ai fait 69%. Ici, j'ai essayé de faire le 70% en posant. Une gargouille, je voulais que elle aille plus vers la droite pour pas qu'elle se fasse focus, mais bon, elle s'est fait focus, tant pis. Ouais. Merci à toi, Clément. Merci, Clément. Oh, parce que j'ai un séisme, non, donc ce n'est pas grave, je vais m'en donner avec mon petit compte. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'attaque en live. Eh bien, re tout le monde, voilà, je viens de trouver un HDV9 à 4 trophées, mais bon, c'est le maximum que je pourrais trouver, donc je vais l'attaquer tout de suite. Donc voilà, je commence par poser 4 séismes. Hop, je l'ai posé juste là, je pense, oui, voilà. Hop, normalement, peut-être que je devrais normalement lui faire le 50%, le 50%, moi. Le 100%, vu qu'il a. Des miroirs. Des défenses d'HDV8. Donc normalement ça devrait le faire. Hop, je pose un petit rage pour mes petites Valkyries. Mes mignonnes petites Valkyries. Donc voilà, hop, je vais poser un soin. Je vais quand même. Voilà, normalement ça devrait le faire. Ouh, mes Valkyries, ils ont pris cher avec la double bombe. Elles sont en train de nettoyer tout le côté, mais là elles sont dans le rouge, elles prennent cher, mes belles petites Valkyries. Non, elles vont mourir. Mes pauvres petites Valkyries, qui étaient si mignonnes, si belles, si destructrices. Et là, c'est eux qui se font détruire. Mais normalement, avec les troupes qui me restent au-dessus, je devrais normalement lui faire le 100%. Normalement ici, le peu de Valkyrie qui reste avec le peu de vie qu'ils ont. Oh merde! Ah bah non, je le ferai pas le 100%. Putain. J'ai oublié le pouvoir de ma reine. Fais chier quoi, je vais gagner quoi? Deux trophées, même pas. Honnêtement, franchement, j'ai vraiment la haine, putain. Tout ça pourquoi? Pour avoir oublié ce
pouvoir de merde de reine. Donc voilà, honnêtement, j'ai la haine. Je vais gagner que deux trophées. Voilà. Voilà, on termine le combat, on gagne combien? Oh non, trois trophées. Ça va, trois trophées, c'est bien, il me reste 25 trophées à avoir. Donc voilà, il me reste 25 trophées à avoir pour à rattraper plutôt. Donc ici, c'est près dans 3 minutes. Il reste plus ou moins. Il reste 7 minutes d'accélération. Je pense que je vais encore accélérer pendant une heure pour être sûr de rattraper, vu qu'il me reste 25 trophées à rattraper. Oui, il me reste 25 tout pile trophées à rattraper. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve demain pour le cinquième épisode de Enquête du Titan. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je vous sortirai du bon contenu. Je vous demanderai peut-être si vous avez des idées ou quoi. Parce que des fois, je n'ai pas trop d'idées. Donc voilà. Donc à plus les amis. Ciao.